c'est dur. Ah non, mais à mon avis, il faut que je repasse à vélo d'air, faut que j'aille voir Thomas, parce que, à mon avis, les deux pneus que j'ai achetés, c'est pas les bons, hein. Et tu vois pas que t'as un vélo d'appart, coach? Un vélo d'appartement? Trois exos avec un vélo d'appartement. On est aujourd'hui ensemble en extérieur et sous la neige pour vous présenter une nouvelle vidéo de la session 3 exos. Et bien sûr, j'ai relevé le défi des Radix 7 qui m'ont proposé de le faire avec un vélo d'appartement. Pour ma part, ça sera avec un vélo de spinning. Alors, le temps que je vous explique le matériel dont vous avez besoin, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'aller vous abonner sur cette chaîne Radix Fitness Romain Pauvet Coaching et surtout à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté lors des prochaines vidéos. Voilà, pour cette séance, vous avez besoin de chaussures. Peut-être que vous avez ici les sangles pour vous attacher les pieds sur le bike. Vous avez aussi peut-être besoin d'un tapis, d'accord, pour quelques petits passages au sol, parce que oui, on ne va pas utiliser le vélo dans ses configurations habituelles. Et vous pouvez aussi avoir besoin, et vous-même, vous avez même besoin ici, de votre bon petit bidon avec l'eau pour vous hydrater pendant votre séance. Et petit rappel, n'oubliez pas de boire entre 1 litre et 1 litre et demi d'eau par jour. Donc cette session, elle fait suite à pas mal de vidéos de la même série. Donc je vous invite à cliquer juste ici sur le petit i pour aller observer les autres vidéos de la session 3 exos. Et vous retrouverez également d'autres sessions dans sur cette page Radix Fitness Romain Pauvet Coaching. Donc n'hésitez pas à la partager et à la communiquer un maximum autour de vous. Encore une fois, comme je le répète à chaque fois, ce qui vous fait du bien à vous fera forcément du bien autour de vous. Donc n'hésitez pas à communiquer au maximum. On se retrouve dans quelques secondes pour l'échauffement. A tout de suite. Donc je vous invite bien sûr à régler votre vélo, d'accord. L'objectif est de régler la selle de manière à ce que cette dernière nous tombe ici sur l'os qu'on a sur le côté de la taille ici, qu'on appelle la crête iliaque. Ensuite, vous allez monter sur votre vélo et vous allez vérifier les réglages du vélo en mettant ici les pieds au fond des pédales et les fesses au fond de la selle. C'est parti, vous calez bien les pieds au fond des pédales avec les sangles ou avec moi les clics. Et on va donc démarrer ici, on va simplement faire monter tranquillement la température de notre corps. Allez, here we go! Ok, on commence un petit peu à resserrer. On va faire tourner les jambes tranquillement. Quoi de mieux qu'une session sous la neige? Eh, rien n'arrête, Radix! La preuve encore aujourd'hui, hein? Allez, on va accélérer un petit peu les jambes. On va trouver ce qu'on appelle la fluidité pour les personnes qui me suivent dans mon club premium, le groupe dans lequel je donne des sessions collectives toute la semaine en live ou en replay. On appelle ça cadence modérée, on est fluide sur notre pédalage. L'objectif ici, c'est simplement de faire monter la température dans nos cuisses et également de faire monter la fréquence cardiaque. Dans notre séance, nous allons réaliser 3 exercices. Un exercice pour le haut du corps, un exercice pour le bas du corps, un exercice pour la sangle abdominale. Et ensuite, chaque exercice sera décomposé en 3 séries. Vous aurez bien sûr la possibilité, si vous le souhaitez, de ne faire que 2 séries. 3 séries, nous travaillerons pendant 30 minutes. Et pour les personnes qui en veulent davantage, vous pourrez monter jusqu'à 4 voire 5 séries pour une séance entre 40 et 50 minutes. À chaque fois, je vous présente 3 niveaux différents de difficulté, ce qui permet à chacun, chacune de s'adapter en fonction de son niveau d'ancienneté, de son niveau d'expertise, de ses envies aussi, pourquoi pas, par rapport aux autres activités qu'elle a pratiquées.
pendant toute sa semaine. On resserre encore un petit peu et on va venir faire un passage debout ici pour bien venir chauffer les cuisses. On est assez lourd dans les jambes. On stabilise bien avec le haut du corps. On gagne bien les abdos. On engage le périnée, là on commence à sentir aussi. On engage bien les bras. On n'oublie pas de respirer. Yeah, yeah! Allez la team! Les genoux vers l'avant. On active aussi l'arrière des jambes, que l'on va beaucoup travailler dans cette séance. Vous allez voir, je suis sûr que votre coach préféré Romain va encore vous surprendre aujourd'hui. J'ai étudié mon sujet et croyez-moi, je suis prêt à relever le challenge et à vous trouver de super exercices. Ok, on descend, on ralentit un petit peu. Excellent. On va venir ici au sol maintenant. Enchaîner avec quelques mouvements pour réchauffer le membre inférieur, quelques petits talons fesses. On choisit les pieds larges et on y va pour le squat. En bas, les fesses vers le bas, les genoux dans l'axe, tête haute, poitrine fière. Inspire en descendant, souffle en montant. Ici on observe, hein, la poitrine reste bien ouverte et bien dégagée. Sans bloquer les genoux en position haute, on active les cuisses et les quadriceps en protégeant ses articulations. Ok, ça c'est super. Allez, faisons monter la température avec 3 pulses, 2 pulses, 1 pulse et on remonte. Et 3, 2, 1, encore. Allez, 3, 2, 1, on fait ça en musique, on fait ça en rythme, la team. Allez, on adore ça, single à nouveau, on va. Allez, on charge bien en profondeur dans les cuisses. Le regard vers l'horizon. Est-ce que vous voulez du fun? Est-ce que vous voulez du ralix? Est-ce que vous voulez de l'innovation? Allez, on cherche toujours un peu plus d'échauffement, d'activation. Allez, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va tout donner. On va rien lâcher. Excellent. Faites-vous de la place. On décale un pied derrière, on descend le genou, on ramène et on replace. 1, 2, 3 et 4. Toujours sur pointe de pied derrière, le genou de la jambe avant. Toujours bien droit dans l'axe des orteils. Activez les abdos, 3 pulses derrière. 3, 2, 1. Je sais ce que vous allez me dire. Romain, c'est pas mal. Mais là, bon, on a plus chaud à la partie inférieure du corps qu'à la partie supérieure. Et vous avez raison. Alors relâchez, on va se placer. Face à notre vélo ici, on attrape le guidon, coucou, yeah. Et ici, on vient réaliser quelques ponts. Alors soit vous mettez les mains en bout de guidon ici, soit vous attrapez les cordes et on repousse pour venir chauffer les triceps, les épaules bien sûr. On gagne bien au niveau des abdos, on active au maximum le centre du corps. Allez, on n'oublie pas de respirer. Yeah! C'est presque un décor de carte postale avec toute cette neige. Ok, on relâche. Allez, échauffement assez court. On va maintenant activer et surtout aller chercher un peu plus loin ici. Vous mettez votre bras droit devant et vous venez tirer sur votre coude en gardant l'épaule basse. On va aller chercher plutôt ici donc sur la longueur du muscle. L'autre bras. Échauffer les tendons, les ligaments, pour bien sûr éviter la blessure. Le bras droit au-dessus de la tête, on appuie sur le coude et on s'incline ici sur le côté. De l'autre côté, et on incline. Excellent, faisons la même chose, on appuie sur le pied gauche, talon droit à la fesse. Allez, j'espère que vous tenez l'équilibre à la maison, hein. Je vais donc dès le départ vous montrer bien sûr le niveau le plus avancé, changer de jambe, mais on va faire crescendo pour les personnes qui me suivent, série numéro 1, la plus facile, 2, la plus avancée, enfin qui avance déjà intermédiaire, et 3, la plus avancée, et à chaque fois un nombre de répétitions déterminé.
écarter ici, attraper les chevilles. On pousse les genoux à l'extérieur, on met les mains au sol, on monte les fesses vers le plafond. On fléchit les genoux pour se redresser en toute sécurité. On boit un coup dans le bidon et on se retrouve dans quelques secondes pour attaquer l'exercice du haut du corps avec 3 séries de niveau progressif. A tout de suite! J'espère que vous êtes bien hydraté. On attaque. Donc on va travailler la partie supérieure de notre corps et principalement ici notre avant d'épaule, notre triceps et un petit peu la partie supérieure de notre corps. Alors votre vélo normalement est plus lourd sur sa partie avant. Donc le premier tour pour les niveaux débutants, nous allons nous placer ici avec le tapis au sol à l'arrière du vélo. On va saisir la selle. Vous faites attention si vous avez un morceau de ferraille qui passe. Et le but ça va être de développer ici légèrement vers l'avant et surtout vers le haut, d'accord. Les niveaux suivants consisteront à réaliser exactement le même mouvement, mais en se plaçant ici de l'autre côté, en dessous du guidon, pour pousser ici. Et le troisième niveau consistera à faire la même chose en venant attraper au centre et à un seul bras, d'accord. Donc ça, c'est vous qui gérez en fonction des niveaux. Nous, on commence directement derrière avec 10 répétitions. Pour les débutants, entre 10 et 12 répétitions pour les débutants, 15 répétitions pour les niveaux intermédiaires, jusqu'à 20 répétitions pour les confirmés. Donc moi je vais jusqu'à 20 répétitions pour laisser un peu plus de temps de récupération au niveau plus débutant. Donc nous nous plaçons derrière ici en position à genoux. On peut soit s'asseoir sur les talons, soit rester ici en activant davantage les abdos et on attaque nos 20 répétitions ici. 1, 2, comme vous le voyez ici, une belle flexion. Au niveau du coude, on souffle et on inspire et on contrôle bien la descente. 5, 6, toujours être vigilant, 7 avec des morceaux de ferraille que vous pourrez dépasser, 8, 9, 10, donc là on est dans les versions débutants, 12, allez on essaye de repousser un petit peu, d'aller un petit peu plus loin, pourquoi pas d'aller chercher. 15 répétitions ici pour les intermédiaires, 16, attention à vos coudes en bout de course, 17, 18, 19, push down et 20 répétitions, excellent. On peut très bien envisager là aussi, comme je vais vous montrer après, de travailler avec un seul bras du côté le plus léger de notre vélo. Pour les questions de confort, je vais juste retourner le vélo dans l'autre sens. Et c'est parti. Donc j'espère que vous avez bien réussi à gérer cette première partie de l'exercice. Maintenant, on va passer devant. Donc là, j'ai une roue à peu près de 20 kg devant. Donc là, maintenant, je vais aller travailler et développer au-dessus de la tête. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On inspire en descendant, on souffle en remontant. 7, allez, on contrôle. 8, allez, allez, là. De rien, ça paraît rien comme ça, mais ça chauffe déjà bien. 10, 11, 12, 13, attention au placement de votre dos, on a dépassé le niveau débutant, on est dans les intermédiaires maintenant, 15 répétitions, on se que ça chauffe dans les épaules, allez, allez, 17, allez, on a dépassé le niveau intermédiaire, on va aller chercher les niveaux confirmés maintenant, 19, et 20 répétitions. Ça, c'était la série numéro 2. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à vous consacrer et si aujourd'hui vous voulez simplement vous arrêter ici, bah écoutez, vous pouvez très bien mettre pause ou avancer sur la vidéo. D'accord ? Maintenant, ce que je vais faire, je vais montrer le niveau confirmé. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr d'être capable de réaliser 20 répétitions à un seul bras d'un côté et de l'autre. Écoutez, on va faire le maximum de répétitions à un seul bras. C'est d'accord ? Ce qu'on peut faire ici pour trouver un meilleur équilibre, on peut venir poser pourquoi pas un genou au sol et un pied devant. Ce qui va nous apporter un peu plus de stabilité. Allez, j'attaque, vous c'est vous qui gérez. Moi je vous conseille en commentaire en dessous de me marquer un petit peu bah, vous avec quelle option vous avez fait la série numéro 3. Et si pourquoi pas vous avez fait une série 4 et une série 5 derrière. Allez, c'est parti. 1. 2, 3, ce que j'aime, 4, dans le travail en isolatéral, c'est-à-dire d'un seul côté, c'est cette sensation de fort travail au niveau de la sangle abdominale. Là, on sent vraiment qu'on est complètement obligé d'activer et de gainer la sangle abdominale.
Alors vous aurez tout hein, aujourd'hui comme temps. Vous avez eu la neige, vous avez eu le soleil maintenant. Hop, le vélo un petit peu glissé. Il doit être à 13 normalement. 14, 15, 16. Est-ce que je vais réussir à faire le grand chelem? 17, 18, 19. Et en voici 20. 20, attention hein, pour le bras droit de votre coach. On va faire la version Arnold Schwarzenegger maintenant. Sony, c'est mon bras le plus faible pour ceux qui adorent Arnold dans son film Le Commando. Allez, c'est parti, on y va. Deuxième bras. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, gros travail de la sangle abdominale ici. 6. Attention au coude en haut. 7. 8, inspire en descendant, souffle en montant, 9, 10, allez encore, 11, 12, on vient de dépasser les débutants, 13, 14, allez on est chez les intermédiaires, 15, 16, 7, 18, 19, et 20, mon colonel, et ben voilà. Donc si vous voulez travailler pour une séance d'environ 30 minutes, et là vous pouvez très bien vous arrêter là. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à me rajouter une quatrième série, voire même pourquoi pas une cinquième série. On se prend encore un petit coup et on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de la vidéo avec le travail du membre inférieur et plus particulièrement les ischios, l'arrière de jambe que l'on aime travailler régulièrement. A tout de suite. Allez, nous sommes de retour pour le bloc numéro 2 pour aller travailler la partie inférieure de notre corps. Comme je vous ai dit, on va plutôt se spécialiser sur la partie arrière de nos jambes, les ischio-jambiers, d'accord? Donc là, on va se placer en bout de notre vélo allongé au sol. Donc si vous avez des pédales avec des sangles simplement, eh bien, vous allez tout simplement essayer d'accrocher vos pieds au bout de la pédale. Moi ici, hop, avec les clics, là je vais mettre mes pieds tout simplement, si j'y arrive, hein. En répétition, c'est toujours comme ça. En répétition, ça se passe bien. Et puis après, eh ben, le jour J, ça passe toujours un peu moins bien. Mais écoutez, hop là, là ça y est, j'ai cliqué. Donc là, ici, on va venir travailler l'arrière de nos jambes en venant pédaler ici en rétro-pédalage. D'accord? Donc, premier niveau, tout simplement, eh bien, 20 tours de pédale ici, simplement allongé sur le dos, d'accord? Le deuxième niveau va consister à ne plus être accroché à l'intérieur, mais à venir mettre les pieds ici au niveau des talons et venir exécuter exactement la même chose, le rétro-pédalage, mais en étant les fesses, comme vous le voyez, en l'air. Et enfin, le dernier niveau, eh bien, on est allongé toujours sur le dos et lorsque on a un pied en position haute, on pédale, du coup on est obligé de forcer pour s'arrêter et on lève à chaque fois la jambe qui se trouve en position haute. Allons-y pour la première série. Donc comme je vous l'ai dit, les pieds dans les pédales, cliquez et c'est parti. Là évidemment, vous pouvez rendre l'exercice plus difficile tout simplement en resserrant un petit peu votre molette, d'accord? Pour tout ce qui va être personne avec des vélos d'appartement simple, c'est assez difficile ou alors il faudrait quelqu'un qui allume le vélo. Allez, on y va pour le rétro-pédalage. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pourquoi pas essayer de temps en temps, 7, de lever un peu les épaules, hein, 8, 9, 10, 11, 12, en toute honnêteté, si vous avez bien joué le jeu, 13, et bien serré la résistance, on sent vraiment ce travail-là à l'arrière de la jambe quand vous devez ramener en tirant la sangle vers vous, 17, 18, 19, et 20, ok, plutôt pas mal. Pour la série numéro 2, je vais réduire quand même un tout petit peu au niveau de la résistance. Hop. Cette fois-ci, plus question de mettre les pieds dans les cliquets, d'accord? On va venir en pied complètement libre, et on va serrer les abdos, et on soulève ici. Et c'est parti, rétro-pédalage. 1, 2, 3, si vous mettez les bras au sol, essayez de ne pas trop pousser avec les mains. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. On contrôle le mouvement, d'accord? C'est pas question de pédaler à 2000 à l'heure. 17, 18, 19, on peut très bien envisager aller jusqu'à 30, hein, pourquoi pas, d'accord? Pour les personnes qui vont passer au dernier niveau, en toute honnêteté, réaliser 30 répétitions, ça sera vraiment un gros, gros, gros challenge. Donc là, si vous êtes vraiment débutant, vous devez sentir que l'arrière des jambes a vraiment travaillé très, 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 très fort. Maintenant, donc comme je vous ai dit, je vous refais la démonstration, on va travailler les fesses en l'air et à chaque fois qu'on a une jambe qui est en position haute, l'objectif c'est d'arrêter les pédales, de tenir l'équilibre bien sûr, hein, de ne pas reposer les pieds au sol et de venir ici faire un demi-tour de pédale pour pouvoir soulever les jambes alternativement. Et là, on sort vraiment de la zone de confort. Everybody, move your body! Allez, on lève les fesses et on y va. Allez, 1, je sens à fond au moment où je lève ma jambe là. 2, le travail de l'arrière de mes jambes. Donc il faut aussi contrôler que le bassin reste bien stable, fixe, d'accord? Que ça ne parte pas de travers. 4 répétitions. Allez, on s'accroche. 5, je vous avais dit que j'allais chercher à vous surprendre aujourd'hui. 6, allez, 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 allez. 7, je sais que ça brûle. L'arrière des jambes, c'est une zone qu'on a tendance à négliger, à travailler un peu moins régulièrement que son avant de cuisse. Je crois que c'est ma 10e répétition maintenant. Allez, voici la 11e. 11. Allez, on est dans la zone des débutants là. Allez, allez, 12. Allez, on s'accroche, on s'accroche. 13. L'objectif, c'était aussi de vous trouver un petit peu d'originalité. Hein. 14. De se démarquer. La sauce radix, c'est ça. On sort du lot, on se démarque. 15. Allez, 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 allez. 16. Vous n'avez quand même pas cru que j'allais simplement vous dire on se met debout et on pédale. Waouh. 17. Allez, allez, on tient le choc. 18. 19. Et la dernière. La 20e. Super. Alors évidemment, hein, si vous avez réussi, pourquoi pas à faire 30 répétitions ou une 4e série ou une 5e série, bien évidemment, ça m'intéresse. Bien évidemment, je serai heureux de le lire en commentaire de cette vidéo. Donc si vous prolongez le travail, pourquoi pas rajouter une 4e série, vous mettez une pause sur la vidéo et pourquoi pas une 5e série. On se retrouve dans quelques secondes pour aller travailler tout simplement la sangle abdominale avec le bike. Pensez à boire un coup et je vous dis à tout de suite. Allez, nous voilà revenus pour la 3e et dernière partie de cette session. 3 exercices avec un vélo d'appartement. On va passer donc à la sangle abdominale, bien évidemment. Et on va venir ici les travailler bah, tout simplement en crunch pour le premier niveau. D'accord? Les niveaux suivants, on les fera assis sur la selle. Je vous présente ça dans quelques secondes. Donc le premier niveau consiste à venir ici placer finalement ses talons sur le milieu du cadre et simplement à réaliser un relevé de buste. Tout ce qu'il y a de plus classique et basique. Pour les personnes qui veulent bah, un petit peu se challenger aujourd'hui, on va venir ici. Je pense que vous avez une selle suffisamment confortable pour vous asseoir un petit peu plus ici sur l'arrière. On vient coincer les pieds ici dans le guidon. Et le niveau numéro 2 consiste à faire des crunchs ici. Alors attention de ne pas cambrer le dos, de toujours rester bien légèrement arrondi. Et pour les personnes qui voudront un niveau encore un petit peu plus confirmé, encore un petit peu plus avancé, eh bien on sera ici, hop, et on ajoutera le petit twist. Il va bien avec la rotation en haut. Vous choisissez vos armes et je compte bien sûr sur vous pour vous donner à 200%. Pour ceux qui commencent avec moi au sol, le crunch, tout ce qu'il y a de plus classique. Allez, allongez-vous avec moi et c'est parti. Talons sur le cadre, mains sous la tête, on ne cambre pas le dos en bas et let's go pour 20 reps. Allez, 1, 2, 3, soufflez en haut, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est chez les débutants, 11, 12, 13, 14, on est chez les intermédiaires pour 15, 16, 17, 18, 19, et voici la 20e. Super travail.
très peu de récupération. Petite astuce que je vous donne maintenant, même si vous êtes intermédiaire ou confirmé, n'hésitez pas à faire une première série comme ça au sol. Le but, c'est de bien activer ses abdos, parce que ce qui peut se passer ici en se plaçant, comme je vous ai montré, sur la selle et les pieds sur le guidon, c'est le risque d'activer trop son psoas. D'accord ? Donc ce sera pourquoi à la fin de la vidéo, on ira vraiment bien étirer cette zone du psoas. Donc coincez bien les pieds comme moi ici en dessous du guidon et on attaque cette série de crunch. Ici, on cale bien les fesses. Comme les jambes sont moins ouvertes, ben, on active un peu moins les quadriceps. Donc bien sûr, si c'est trop dur, vous pouvez garder les mains ici devant. D'accord ? Sinon, ben, pourquoi pas les mains autant ? On y va ensemble ? Déjà, pas mal d'options. C'est parti. On reste arrondi. 1, 2, 3. Je cherche vraiment ici à s'enrouler. 4 en expirant. 5, 6, 7, 8, 9. On va chez les débutants. 10, 11, 12. Ça chauffe très fort. 13, 14. L'amplitude n'est pas énorme. 15. 16, et pourtant les sensations sont monstrueuses. 17, 18, 19 et 20. Alors attention, hein, ne pas avoir le pied qui dérape, parce que sinon, le bêtisier, ce serait vous qui le ferez. D'accord ? Donc soit vous continuez au sol, ou vous pouvez me repasser au sol, soit vous continuez avec moi sur ce deuxième niveau, soit vous allez enchaîner avec le niveau du twist en haut, ce qui va avoir pour effet d'engager évidemment plus les obliques et la taille. D'accord ? On y va tout de suite ? Pas de soucis. Si je vais trop vite, vous avez besoin de plus de récupération, vous mettez tout simplement pause sur la vidéo. Here we go! On monte et on twist. 1, 2, 3, toujours dans l'expire. 4, 5. Comme si vous vouliez aller toucher l'extérieur de votre cuisse avec votre coude. 8. 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, avec le sourire, 15, allez les intermédiaires, au moins 16, d'accord, pour rester sur un nombre pair, 18, 19, et on voit la 20. Je suis sûr et certain que vous êtes capable d'en réaliser une dizaine de plus. Ceux qui veulent, on fait une série numéro 4, on fait une série numéro 5. Et bien sûr, vous mettez en dessous, en commentaire, combien de séries vous avez réalisées et est-ce que l'exercice vous a apporté de bonnes sensations. Là, mine de rien, voilà, par rapport aux petits conseils que je vous ai donnés, en commençant au sol et en enchaînant ici, j'ai beaucoup moins ressenti le psoas que ce que j'aurais pu imaginer. Donc, je suis super content. Finalement, cette option, elle est pas mal. Et il est même fort possible que pendant mes propres séances d'entraînement, je réutilise cet exercice qui m'a donné finalement de super sensations. Donc là, on se retrouve dans quelques secondes. On boit un coup pour, bien sûr, les étirements. Et ça, c'est incontournable. Allez, nous voilà revenus donc pour cette partie stretching qui est pour moi super importante. Alors, vous avez possibilité d'étirer votre cuisse, pourquoi pas en venant caler ici votre pied sur la selle et en descendant ici sur le stretch du quadriceps, ou alors en vous tenant tout simplement à la selle. On étire la cuisse. Allez, ça c'était pour les exercices, notamment dans l'échauffement. C'est vrai que c'est dans l'échauffement qu'on a plus bossé la cuisse. On l'a travaillé un petit peu, hein, quand on était au sol. Hein, l'antagoniste de l'exercice principal que l'on a travaillé pour les ischios, mais c'est important d'étirer cette grosse masse musculaire que sont les quadriceps, qui finalement ont des vaisseaux sanguins dans lesquels, enfin, à l'intérieur desquels passent des vaisseaux sanguins, et donc pour meilleure récupération, il faut étirer ces muscles. On change de jambe, de cette manière, le muscle est moins raide, plus tendre, et donc la circulation sanguine, la circulation des nutriments également se fait beaucoup plus facilement. Pas de bien souffler. Donc maintenant, on va aller étirer le muscle qu'on a travaillé le plus quand on était au sol, les ischios. On vient poser ici un talon et se pencher en avant. Ce que j'aime, notamment quand je fais les séances de Radix Bike dans le Radix Club Premium, c'est ici attraper guidon et selle et pouvoir me pencher un peu plus en avant et en même temps chercher à reculer un peu plus mes fesses. Ça, c'est vraiment génial. Ça donne des sensations de stretching hyper agréables à l'arrière de la jambe. On conserve bien les orteils vers le haut. Faisons la même chose de l'autre côté. Tac.
excellent. Les adducteurs n'ont pas été en reste, hein, l'intérieur des jambes. On écarte ici, et comme tout à l'heure à l'échauffement, on descend. Comme si on s'asseyait au sol. Même venir ici, pourquoi pas mettre les deux mains en prière, en Anjali Mudra pour ceux qui pratiquent le yoga. Et laisser les genoux s'ouvrir à l'extérieur en descendant comme pour s'asseoir au sol. En parlant du sol, on va quand même étirer le psoas, hein. Très important. Un genou au sol, un pied devant. Et on descend ici comme si on faisait le grand écart avec la jambe de derrière. Et le genou est légèrement en deçà, en arrière du talon derrière ici. Le buste est droit, le bassin reste neutre. Il n'y a pas de ventre qui se porte en avant ici. On ne se penche pas, on reste bien droit. Et on souffle comme si on faisait le grand écart uniquement avec la jambe de derrière. Croyez-moi, croyez en mon expérience, croyez en l'expérience de Radix. Faire cet étirement 30 secondes le soir, jambe droite, 30 secondes le soir, jambe gauche. Et voire même le reproduire le matin au réveil. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Mettez en même temps que vous vous brossez les dents, vous allez gagner ça de temps. Et croyez-moi, votre dos va se porter incroyablement bien. Changez de jambe, hop là, deuxième côté. Et j'espère encore une fois que vous aurez apprécié l'originalité de la séance, que vous auriez aussi kiffé l'affaire, vous amuser, vous éclater avec ça. Et que bien sûr vous allez partager, pourquoi pas copier le lien qui se trouve dans l'URL en haut, hein, de la vidéo et la partager en Messenger à un maximum de monde autour de vous pour faire connaître à un maximum Radix autour de soi. Allez, on va se redresser les enfants. Allez, maintenant je vous invite à étirer votre épaule en plaçant votre bras devant vous ici. Alors pas comme quand on a un bras cassé qu'on porte ici en écharpe. À mettre juste le bras devant et à tirer pour bien éloigner vos omoplates. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est à aller lire dans la description en dessous de cette vidéo. Vous allez y trouver le lien vers mon challenge, le challenge Radix 7 jours, changer de bras, qui est un challenge au cours duquel tous les jours vous allez recevoir 3 petites actions super simples à mettre en place et qui vont vous permettre de transformer vos habitudes de vie, vos habitudes sportives. Vous allez vous sentir plus en énergie, plus motivé, vous allez également augmenter votre métabolisme, dépenser plus de calories au quotidien. Mettez maintenant votre bras droit au-dessus de la tête et appuyez sur le coude. Et ce qui va vous permettre de réguler votre poids et surtout d'augmenter aussi vos défenses immunitaires. Un peu comme je suis en train de faire ici là, avec ce vent assez froid pour finir cette séance, pour augmenter notre résistance au virus. Votre bras, le bras gauche, derrière la tête, on appuie sur le coude. Vous allez aussi y trouver le lien vers mon groupe Radix Club privé, groupe d'entraide, de soutien et de motivation dédié aux femmes qui souhaitent retrouver la forme. C'est un groupe gratuit, c'est un groupe de soutien comme je l'ai dit, et c'est surtout un groupe où il y a énormément de bienveillance. Mettons nos bras maintenant derrière la tête, on appuie ici sur les fesses pour bien ouvrir et dégager la cage thoracique. On va venir enrouler ici, souffler, expirer. Et un petit peu comme je le fais avec mes Radix 7 dans le club premium, je vous invite à me taper dans la main. Pourquoi pas à taper dans la main de votre vélo et aussi à faire, hop, la petite nouveauté, le petit coup de fesse comme ça dans les airs. Voilà, ben je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle session de la session 3 Exo. Je vous invite encore une fois à aller observer les autres vidéos de la même série. Vous pouvez aussi consulter les témoignages des personnes que j'ai suivies dans mes accompagnements personnalisés. Je vous invite aussi à aller regarder les foires aux questions pour répondre à vos problématiques, à vos petits blocages au quotidien. Bien entendu, encore une fois, à vous abonner à cette chaîne et surtout à liker, commenter et partager. Parce que Radix, c'est vous. Et le petit cri de guerre pour finir, Radix, 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 aïe, aïe, aïe. Moi, ce que je vous invite aussi, c'est à aller jeter un petit coup d'œil dans la description de la vidéo, juste en dessous, et vous allez pouvoir trouver le lien vers mon challenge, le challenge Radix 7 jours. Changez de bras, tirez devant.